Salut à tous, c'est TheModov. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2. Donc, je sais pas c'est l'épisode combien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et on va lancer le jeu tout de suite aussi. Je pense que j'ai eu une semaine ou deux d'absence. Une semaine et demie, je crois. Même. Bon, bref, on s'en fout. J'avais pas le moral, j'avais pas envie de faire de vidéo. Puis j'avais pas, j'avais un petit souci avec mon logiciel de montage aussi, qui marchait plus sur mon PC. Donc là, je l'ai réinstallé. Donc, on va se lancer une petite partie, quoi. Donc, pour se rappeler où est-ce qu'on en était, il n'y avait pas de guerre. Ok, ça c'est cool. Donc, on avait perdu contre la Mauritanie aussi, il me semble. Bon, on va aller. On va attaquer Algarve, hein, tout de suite. Hein. Je vais regarder combien j'ai d'armées. Ouais, d'accord. Je vais aller l'attaquer en fait. Je vais me calmer. Est-ce qu'il a des beaucoup de soldats celui-là? La coupe hein. Merde, non, c'est pas ça. C'est ça peut-être. Ouais. But 127 hommes. Oh. Ah ouais, merde, il a des allées cet enculé. Ouais, ok. Ouais, il a des alliés, bon. C'est chiant ça qu'il ait des alliés, putain, ils sont relous les mecs. Ok. Hop, on va les attaquer quand même, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis un fou, non. Je suis un gueudin dans ma tête. Ah, peut-être que. Non, je vais demander au pape si. Je sais pas si je peux lui demander des ordres sacrés. Demander un divorce? Ah non, non, non. Ouais, non, on peut rien lui demander. Ce serait bien qu'il. Avec les ordres sacrés, je vous promets, ce serait facile quand la Mauritanie là, 8. Rien de la carte. Bon, on veut les attaquer de toute façon. On a rien à faire. On a de l'argent. Eh merde, on a pas d'argent. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Hop, on y va. Voilà. Pour le retour de mes vidéos, on va faire une guerre. Voilà. On va attaquer Algarve. Allez, attention, vous trouvez sagesse, c'est bon. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est cool parce que je vais avoir une alliance avec la France du coup. Et c'est bueno ça. Ça c'est bueno. Aïe, j'ai perdu. J'ai l'impression que le jeu galère un peu là. Bon, c'est normal, mon PC est en train de faire un rendu. Oh, je me suis, on s'en fiche. Vite, 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 vite. Oh là 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 là, vite. Voilà. On va s'attaquer à lui. Bon, je vois qu'il a 400 hommes là. C'est chiant. Bon, attendez, on va splitter l'armée en deux. J'ai envoyé 1000 hommes de l'autre côté. Merde, non, j'ai envoyé trop là. Voilà, parfait, 1125. Hop. Alors, il me semble pas que moi j'ai des armées. Enfin, j'ai des alliés, pardon. Des armées. Non, moi j'ai pas d'armée, non, non. Complètement débile, le gars, quoi. Hop. Encore? Non, on va pas emprisonner tout le monde, hein, c'est pas la fête encore. Hein. Voilà, donc là on va gagner tranquillement. Ah, je perds quand même pas mal d'hommes en vrai. Sauvegarde automatiquement, donc ça va durer un peu longtemps. Voilà, c'est fini. Là-haut, là-haut, là-haut. Allez, allez, allez. Alors là, je pense que ça va bien se passer en fait. On va les battre, hein, je pense. Ça va être facile. Votre légit. Ah bah voilà, vous voyez que le pape il est cool, il m'envoie de l'argent. 200. Ah ouais, putain, c'est sympa. Hein. Manque plus que les ordres sacrés, moi je suis heureux quoi. Ah ouais, là il me donne les ordres sacrés, moi je suis heureux, hein, putain. C'est dommage que je ne puisse pas faire appel à mes alliés. Pourtant j'en ai un. Hein. Vous voyez là. Bon, personne même, hein, bien sûr. Enfin, dans mes armées en tout cas. Enfin, dans mes alliés plutôt. J'ai du mal avec l'armée, le mot armée aujourd'hui. Donc après je pense qu'on va s'occuper de la Mauritanie. Hein. Ça va être un gros morceau. Ouais, même un putain de morceau, ouais. Ouais. Alors, on va se marrer, allez, on regarde combien ils ont d'armées les gars. Voilà. Quoi? 10 000! Vous voyez, même avec les ordres sacrés là, parce que les ordres sacrés ça donne en général. C'est où? C'est là. Bon, là il y en a pas. Ça donne en général 8 000 troupes, on va dire. Alors, hein. Si on en a 10 000, sans rien quoi, les mecs. Mec, c'est des ouf quoi. Ça va être compliqué contre la Mauritanie.
qu'on le laisse pourrir. Au pire, je pourrais m'attaquer à Valence, mais ils doivent être alliés, non? C'est quoi ça? Ouais, voilà, ouais, c'est ça le problème en fait. On va passer le temps en attendant. Je vais regarder combien ils ont d'armées. Oh, on s'en fout de ça. Ah, j'ai dit qu'on s'en foutait de ça. Zut. 3400 hommes. Ouais, voilà, ouais, c'est faisable, mais c'est compliqué quoi. 3400 hommes là. Faut y aller quoi. Ok, là c'est en amélioration. Donc après, on va bien économiser. Comme ça, je pourrais acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de mercenaires pour m'attaquer à Valence donc. Et là, je pense qu'après, quand on aura Valence, on aura tout ça là. On pourra s'attaquer à la Mauritanie tranquillement. Hein. Enfin, en espérant qu'ils nous attaquent pas avant quoi. Donc. Ce qui m'étonnerait, si on fait des mouvements, ils vont faire des mouvements aussi. Hein. Ça m'étonnerait que ça se passe aussi bien que je ne pense. Ok, donc là ça se passe bien la guerre. Ok, ma femme est enceinte. Eh, mais elle, c'est une vraie lapine. Hein. Elle m'a fait combien de gosses déjà? Putain, mais regardez ça, mais doucement là. Quelle tête de coquine quoi. On m'a fait au moins 10 enfants déjà. Une vraie pineuse quoi. Hop. Ouais, on va continuer tranquillement. Oui, donc là au moment où je fais cette vidéo, normalement vous aurez déjà vu la vidéo sur Need for Speed. Most Wanted. Donc j'ai un petit bug à la fin. C'est parce que j'ai eu un petit décalage. Bon, rien de grave, hein, franchement. Bah, vous l'aurez vu de toute façon. Hein. Pas de quoi gâcher la vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura fait rire. Je dis beaucoup de conneries dedans. En même temps, je suis mauvais, alors autant faire quelque chose de la vidéo, quoi. Bah, je dis pas que je suis fort à Crusader Kings 2, hein. Loin de là. Hein. On va continuer la guerre, là. Oh, ça s'est scindé en deux, là, le... Oh, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Là, vous voyez que... Attendez, excuse-moi. Là, on voit que la Mauritanie a... Bah, il y a eu une guerre de... Je pense qu'il y a eu une guerre, hein. Qui a éclaté au sein de la famille et hop là. Ouais, voilà. En quoi le jeu peut basculer en 10 secondes? Ah, voilà, je pensais que j'allais pas faire énormément d'épisodes à cause de la Mauritanie, là, voilà. Ils viennent de scinder en plusieurs pays et pff, oh là là, ça va être tellement bon là. Attends, regardez. Enfin, tellement bon. Le mec il jouit sur ça quoi. Oh l'enculé, toujours. Eh, mais il a 8000 hommes quoi le mec, hein. 8000 hommes, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu là. Ah, le problème c'est que voilà, ils sont tous verts, du coup on peut pas trop les distinguer là. Attendez, on va faire un autre truc. Voilà, ça c'est pas bon. Ah, attendez. Culture. Vassaux direct. Ouais, c'est de la merde. Ok, bon, ouais, ça va être compliqué de les distinguer, mais en gros la Mauritanie est pas très grande là normalement. Je comprends pas pourquoi ils ont 8000 hommes quoi. 8000 hommes, ça c'est assez incroyable ça quand même. Après avoir perdu la moitié de leur territoire, ils perdent 2000 hommes les mecs quoi. Bon. Pourquoi pas. Ça veut dire que la guerre se finisse vite. Allez, un fils. Ah, attendez, je peux appeler quelqu'un à la guerre. Allez, viens toi. Je sais pas c'est qui lui. Duc Gauthier d'Orléans. Attendez, qu'est-ce qui me déclare la guerre là? Oh non, pas la Galice, hein. Putain. Bon, attendez, on va faire un truc. Mercenaire. On va prendre les moins chers. Ceux-là. Hop. On va les envoyer là. Voilà, je vais pas me faire chier dans le jeu. Ah, moi je me fais plus chier, moi. J'envoie les soldats à la guerre. Enfin, j'envoie des mercenaires. Hein. Je suis blindé d'argent en plus. Par contre, ça me dérange un peu parce que... C'est mon frère, il me semble. Non, c'est plus mon frère, non. C'est quelqu'un d'autre. C'est mon cousin, voilà. Donc, se faire attaquer par son cousin, c'est pas cool, hein. C'est con, je l'aimais bien. Prince Julien est désormais à l'âge... Il est devenu éminence grise. Éminence grise, eh. Par contre, on va le marier lui, hein. Ça va bien ça. Princesse de. D'Angleterre! Eh, pas mal, hein. Je prends. Mais quel âge elle a, la gamine, hein? Merde. Ah merde, elle a 3 ans. Oh là. Eh. Non, elle est éduquée, là. Attendez, on va voir. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, on se la prend. Enfin, on se la prend. Vas-y, prends-la. Envoyez. Ok. Princesse, toi aussi tu veux te marier? Ah bah non, justement c'est elle qui va se marier avec le roi Hugues. Le peu disposé, le peu disposé, ok. Mais qu'il est pas disposé quoi.
s'en fout. Hop. Il était capturé, ok. On va aller voir, on va faire un petit tour dans notre cachot. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs prisonniers. Emprisonné. Alors, on va le racheter celui-là, ça lui fera de l'argent. Celui-là, on peut pas le racheter, on va le libérer. Ah non, celui-là c'est un compte, d'accord. C'est notre vassal, bah celui-là on le libère pas. Hein. Celui-là on va le libérer de prison, ça fera 10 plus 10, voilà, c'est pas mal. Hop, accepté. Voilà, ils sont mariés. Donc maintenant, techniquement, si j'ai pas fait de conneries, on est alliés. On est alliés. Ne peut pas appeler à la guerre, pourquoi? Je peux t'appeler à la guerre ou pas maintenant? Le petit. Quoi? Quoi? Refusé. Attends, le peu disposé n'a pas refusé à notre appel au cours des 5 années passées. Ah, ok, j'ai eu peur. Je croyais qu'il fallait que j'attende 5 ans pour pouvoir l'appeler à la guerre. Putain. Excusez-moi d'avoir gueulé un peu comme un con là. Voilà, on va envoyer notre armée là. Hop. Ah, lui par contre il nous appelle à la guerre. Hein. Contre qui? Nous ferons partie de la deuxième guerre contre la. Attends, votre sagesse a. Contre Duchesse Morgan. De Flandre. On va accepter. Ouais, oh, il est loin, mais ça va aller. Ouais, c'est cool. Hein. Je me fais des amis avec lui. Je me fais ami-ami avec lui comme ça. Alors, est-ce que lui, on peut lui offrir la paix? Merde. Non, bah, c'est super ça, c'est super. Ouais, bravo. Est-ce que ça se passe bien de l'autre côté? Ouais. C'est une bonne nouvelle. Humble. Merde. Humble, voilà. Bon, il a pris la confiance. Il a pris la confiance, wesh. Aïe, allez. Oh là 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 là, je sens que c'est les. Ouais, le peuple a appelé la croisade. Attendez, armée. Et non, toujours pas. Les ordres sacrés vont arriver. Là, c'est sûr, normalement. On a vu qu'il y a une croisade. Par contre, j'ai aucune idée de comment on peut participer aux croisades, j'ai jamais fait, donc si quelqu'un sait, bah dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait m'aider, ça pourrait être sympa à faire, petite croisade. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, on va continuer la guerre tranquillement, hop, là on va passer là. Ouais, on est toujours en guerre là, ouais d'accord. 80% ça avance tranquillement, donc ouais voilà, si quelqu'un sait... Pour la croisade, vous me dites, moi je participe, mais direct quoi. Quoique, il y a la Mauritanie qui pourrait m'attaquer. Bon, on verra. Déjà, si quelqu'un me répond en commentaire, ce serait cool. Votre sagesse et votre clémence sont légendaires. J'ai mis. Tu vas mettre fin au complot, toi. Je vais te. Attendez, hop. Intrigue. Complot connu. On va te mettre. Annuler un titre. Non. Mettre fin au complot, voilà. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, on met fin au complot. Moi, j'aime pas les complots contre moi. Que la paix soit avec vous, je vous demandais juste de... Ouais, d'accord. Que la guerre se passe bien. Des deux côtés, là, on prend tranquillement, ok. Appel au... Ah! Et voilà, il vient la guerre, bien sûr. Voilà, là, on vient d'un... Soyez bénis, vous... je vais évidemment honorer mon obligation. Oh, yes! Les Français qui arrivent. Les Français, ils s'occupent de tout, moi, je m'occupe de rien. Sauvegarde automatique, c'est un peu long, c'est pas grave. Mon suzerain, j'ai collecté une 10... Et à la bonne heure, 50 pièces d'or, c'est cool. Ok, tous les messages, j'aimerais finir ma guerre, moi. Allez, elle est pas mal, hop. On continue la guerre tranquillement. Ça serait bien qu'on la gagne assez vite, là, j'aimerais bien commencer à... Ah bah, la Mauritanie... Ok, d'accord, la Mauritanie a... A pas changé, j'ai rien dit. T'as le mec qui se fait des films dans sa tête, quoi. Allez, plus de troupes. Ouais, voilà. C'est pas mal, ça. Pourquoi est-ce qu'il gagne en... Enfin, il gagne un peu plus... Il a perdu, lui. Il me fait chier, lui. Lui, il veut pas perdre, hein. Le mec, c'est un relou jusqu'au bout, quoi. Armée de seigneur mère finlando. Putain, mais ils sont casse-couilles, les gars, hein. C'est la guerre partout quoi, Cordoue, mais c'est déchiré de partout quoi. D'ailleurs c'était pas Cordoue avant, c'était Valence. Bon,
pourquoi c'est devenu corps du jeu, je sais pas. Ça avance tellement vite le jeu, c'est fou quoi, ça évolue à une vitesse. On va regarder un peu les autres pays. Ouais, ça. Bon, l'Angleterre s'est fait bouffer là. Comme d'habitude, de toute façon. Pologne, ça bouge pas là. Ouais, pas grand chose de bouge, hein. Surtout pas l'Empire byzantin, il a pas bougé d'un pet, il me semble. Peut-être ça qui a augmenté. Peut-être, ouais, peut-être les bordures là. Vous voyez, ça évolue. Bon, pas tout le temps en vise, hein. C'est surtout ici que ça évolue, hein, en ce moment. Peut-être parce que je contrôle Léon. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va. Lui, est-ce qu'on peut lui proposer une. Ok, non, il veut pas. On va te faire enculer. On va s'occuper des 500 hommes là parce que depuis tout à l'heure il m'embête. Victoire, défaite. Ça, défaite. Ça, c'est à moi ça? 2000 hommes! Fou quoi lui, moi je lui laisse, hein. Moi j'en veux pas de ce territoire. Hein. Putain, c'est une pomme pourrie ça, 2000 hommes. 2000 rebelles dessus, c'est fou quoi. Duchesse va perdre sans prestige, roi. Quoi? Ah, j'ai pas perdu de. Ok, ça va. Allez, ma femme est encore enceinte, ça fera que le 15e enfant. Allez, allez, on passe, on s'en fout, on s'en fiche. Hop, hop, hop. Donc j'ai pas piqué. Oh non, j'ai pas pris le chrono. Ah bah du coup ça va être un épisode à rallonge ça. Donc je sais pas combien de temps va durer l'épisode là. Ça m'embête. De Modov n'est plus tuteur. Ah putain les casse-couilles. Ok donc là il accepte de faire la paix. Ok donc il s'est emprisonné. Voilà cool. Emprisonné. Ok donc là, la guerre là est finie. Ok on va s'occuper de... De lui. Non on va prendre les... On va attaquer les rebelles voilà. Victoire. Alors lui il me propose un appel à la guerre encore. Ok on va accepter. On est en guerre contre qui cette fois? Ah bah la même hein. C'est la même il me semble. Ouais c'est la Flandre encore. Bon je m'en fous, c'est pas là, c'est pas à côté de moi. J'irai pas l'aider de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire là? On va ok on va faire play. Normalement là si je. Quoi? C'est sûr. Oh là là. Pff, il me saoule lui. J'ai perdu un mec qui conseille, attendez. Après je relancerai tout le monde un peu parce que, pour que je sache qu'est-ce qui se passe. Ok donc là normalement si je prends ce territoire là, maintenant je pourrais proposer la paix. On va voir ça. Et voilà, j'ai raison, j'ai toujours raison. Accepté. Voilà, j'ai récupéré Algarve. Ça c'est cool, on va pouvoir démobiliser les troupes. On va pouvoir remonter là et démobiliser les troupes. Là. Hop 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 hop. Qu'est-ce qui me déclare la guerre? Juste lui là? Ouais, ça va aller. Hein. Je devrais pouvoir m'en sortir là quand même. Hein. Ah, un autre. Ok, bon, je vais pas. Ok. Oh le casse-couille, il me déclare la guerre maintenant quoi. Pff. Ah oui, mais j'ai beaucoup de territoire en même temps là. Attendez, je vais donner à mes vassaux avant qu'ils s'énervent tous. Ok, personne ne m'aime. Oh là 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 là. Pourquoi est-ce qu'il m'aime pas lui? Ok, on va lui envoyer un petit cadeau. Hop. On va lui donner un petit titre honorifique, Sénéchal. On va lui donner une petite ville là, cool. Voilà. T'en veux un autre? Allez. Tu me parais cool toi. On est à moins 14 là seulement, putain. Ça va être complexe hein. Ok, lui il est en prison, on s'en fout. Lui, on va lui donner un évêché, si j'ai. Voilà, un petit évêché, il va être content. Lui, on va lui donner aussi une chanson. Non, merde. C'est pas cool ça que mes vassaux m'aiment pas. C'est pour ça qu'ils me sont rebellés, j'aurais dû le voir avant. On va lui envoyer un petit cadeau. Allez, tu veux être quoi? Tu veux être. Allez, chanson, t'es cool toi. Ah, tiens. Tu me feras des chansons? Quelle blague nulle. Je cautionne pas ces blagues là, je vais arrêter. Non, lui c'est trop cher. Grand aumônier, voilà. Ferme ta bouche. Et un petit comté. Allez, comté de Pharo. Tu me frappes le chier. Est-ce que ça s'est calmé? Ouais. Voilà, comme ça tout le monde est calmé. Ah, mais j'ai encore trop de territoire, ok. On va donner à quelqu'un qui a rien. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Évêque, toi t'as rien. Hop. Comté de Sylvès, voilà.
Ok, on va pas l'appeler à la guerre lui tout le temps, c'est pas la fête hein. On va se mettre là. Donc je pense que je vais gérer la guerre là. Donc après cette guerre là, je pense que je vais arrêter hein. Ça fera déjà une bonne vidéo d'au moins 20 minutes, ça c'est sûr. Défaite, enfin une bonne, après c'est à vous de juger hein. France, quand bon, on s'en fiche des enfants. De toute façon c'est le 15e hein, là. Honnêtement. Évidemment, faut arrêter de déconner quand même. Ah, défaite ou ça. Ouais, mais ça, je m'en fiche. Ok, t'es capturé. On va quand même aller libérer des gens. Duc de Galice, allons toi, je vais t'enlever tes titres d'ailleurs. Et un traître, nous, personne ne. Voilà, annuler un titre encore. Ok, maintenant on va le laisser en prison. Parce que bon, ça m'énerve, moi, les gens comme ça. Trop de duchés possédés. Bon, on va donner, hein. Toi, par exemple. Duché de Léon, non. Duché de Castillan. Duché de Porto, ouais. Voilà, t'es le nouveau duc de Porto. Cette classe. On va marier elle à qui? C'est quoi ça? Arranger des fiançailles. Allez, toi, t'es un duc, c'est pas mal. Encore? Non. Encore un enfant pas éduqué. Ah merde, je l'ai marié alors qu'il fallait juste l'éduquer, quoi. Je vais même pas regarder s'il avait bien. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez. Et est-ce que la guerre avance? Non, toujours pas. À l'intention du duc, soyez béni de votre. Ouais, bah il est cool, lui, il accepte et tout. Il est cool. Il est cool de m'offrir son fils. Hop. C'est libéré. Non, non. Il n'en est pas question. Très bien. Lui, je sens qu'il va se rebeller, lui. Excusez-moi pour le petit message. C'est rien. Ski alpin. Hop. Ski alpin. je raconte des conneries. Excusez-moi, c'est le message que je t'entends dire en fait. Donc, hop. Ah, je perds beaucoup d'argent, j'avais pas vu aussi. Ah ouais, je suis à moins 3 quand même là. On va vite finir la guerre, c'est pas grave. Oh, on a encore perdu la guerre. Plus, mais le roi de France, c'est vraiment un casse-couille, quoi, le mec. Il perd contre tout le monde, quoi. Fillette. J'ai pris le plus mauvais allié, je crois, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit là? Donc, victoire, victoire. Ok, personne ne veut faire la paix encore. Ah, l'argent remonté. Non, elle est redescendue, d'accord. Elle remonte, elle redescend, c'est la fête, hein. Victoire. Voilà, bientôt. Je vais bientôt gagner normalement. Là. Ma mission à Paris est un succès. Voilà, il y aura eu du plus 25, c'est cool ça. Victoire, voilà. Je gagne un peu partout là. On va pas faire la paix à 55%, non, bah ça aurait été trop beau. Faut vite que je me sépare des mercenaires parce qu'ils me commencent à me coûter une blinde les mecs, hein. Victoire. 70%. Il veut toujours pas la paix lui. Mais je me trompe. Non, ils veulent pas la paix. Fumier va. Fumier va. Fumier. Ah, il veut quoi lui? Trop de messages. Trop de messages, j'ai dit, calmez-vous. Votre sagesse un refus. Putain, mais il m'appelle à toutes les guerres lui, mais il a craqué ou quoi? Je refuse. Fou ou quoi? Cru que j'étais son faire-valoir ou quoi? Ah, 100%. Là, il veut bien accepter lui. Ouais, voilà. Annuler un titre, voilà. Personne ici, voilà. Hop. Hop. Lui, on va le démo. Non, on va pas le démobiliser tout de suite. On va là, tout de suite. Libérer. Voilà. Et je vais aller donner mes territoires aussi. Parce que vous voyez que là, ils sont pas contents. Parce que j'en ai deux de trop. Donc, on va lui donner un duché. Un côté, pardon. Un comté, t'as un comté à côté. Lui aussi, même pas trop bon, allez. Hop. Un petit cadeau avec ça. Et t'es maître de chasse, allez, hop. Comme ça, il m'aime bien, voilà. J'ai 500 d'or, je sais pas comment. J'ai dû recevoir quelque chose et j'ai pas vu.
Les plus tuteurs, oh là là, ça c'est relou ça quand je perds un membre du conseil et qu'en plus c'est un tuteur de mes enfants quoi. D'un de mes enfants. Merde, je voulais pas le mettre là, bon c'est pas grave. Tuteur. Voilà, on va l'éduquer elle. Coquine là, hop. Comment elle s'appelle cette fille là? Elle est tellement. Princesse Controda. D'accord. C'est pas moi qui choisis le nom, hein. Je préviens. Victoire. Mon suzerain depuis mon arrivée à Léon, je n'ai jamais manqué. Ok, d'accord. Non, d'accord, on s'en fiche. Bon, allez, on finit la guerre et après je les démobilise tous quoi d'un coup. Donc, on n'aura pas fait grand chose hein, comme d'habitude, mais ça avance, mais doucement quoi. Puisque à chaque fois j'ai des rébellions, c'est ça le problème en fait. Puisque si j'avais pas été attaqué, j'aurais presque pu commencer la guerre contre Cordoue. Puisque Cordoue, on voit qu'ils sont assez déchirés là. Donc là, on va démobiliser. Hop, tranquillement. De nouvelles. Quoi, de nouvelles quoi? Importante. Ouais, on s'en fiche. Complot, non, voilà. Ouais, on s'en fiche, on fera ça. Organiser un tournoi? Ouais, mais non, 200 d'or, je perds. S'en fout quoi, les gars? S'en fout. Hop. Je prends là, oui, je prends l'accent un peu marseillais. C'est parce que je. C'est un peu la fin de vidéo là, je craque. On va acheter ça, voilà, juste avant. Et voilà, donc on va se quitter là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à intervenir, hein, si vous avez... il y a quelque chose qui vous a choqué ou je sais pas, qui vous interpelle. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bye.